vous regardez RTL. RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. 19h16 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées à vous aider. Le temps que les polémistes se disent bonjour, s'embrassent, me perturbent pendant que je parle. Bon bref, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Jean-Claude Dacier, vice-président de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. La journaliste Annie Lemoine. Bonsoir. Bonsoir. Je rêve que je vous ai vu embrasser Alain Duhamel. Hein. Pas sur la bouche. Ah bon, bonsoir Alain Duhamel. C'est ça qui m'avait perturbé Alain. Vous embrassez Annie Lemoine. On s'aime bien. Ça m'arrive. Collector. Voilà, collector. Allez, on démarre avec Laurent Wauquiez. Donc, vous allez l'entendre dans un instant. C'était il y a quelques minutes sur BFM TV. Laurent Wauquiez s'expliquait pour la première fois après la diffusion par l'émission quotidienne des enregistrements de son cours choc dans une école de commerce de Lyon. On écoute un premier extrait donc du président des Républicains. Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Il s'est livré à une manipulation et a tendu une embuscade. C'est donc ça, maintenant, la conception de la déontologie du journalisme? Enregistrer quelqu'un à son insu, sans même qu'il en soit alerté? En tout cas, c'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Ça, ce sont des méthodes de voyous, et ça n'a rien à voir avec ce que je crois être la déontologie du journalisme. Donc ça, c'est sur la forme, mais sur le fond, est-ce qu'il assume alors? Ce que je pense, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Ce que je pense, c'est que le système médiatique à ceux qu'il cible et ceux qu'il protège. Ce que je pense, c'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques, que Nicolas Sarkozy a eu à les affronter, que François Fillon les a subis, que aujourd'hui, je ne suis pas dupe de ce qui est en train de se passer. J'en suis la cible, et si je suis venu sur votre plateau, c'est pour vous dire que ça ne m'impressionne pas, que ça ne me fera pas reculer, et que ma détermination n'a jamais été aussi forte. Allez, un dernier pour la route. Ce que j'ai dit devant les étudiants, je le redis exactement de la même manière sur tous les sujets, parce que j'assume. J'assume les propos qui ont été les miens. Je n'utilise évidemment pas les mêmes mots quand j'en suis dans une enceinte avec 30 étudiants ou quand je suis devant ce plateau devant vous. Mais c'est exactement le même fond. Ce sont exactement les mêmes convictions, parce que je n'ai pas de double langage. Il assume, mais il précise à l'instant qu'il regrette quand même les propos sur Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas non plus exagérer. Sur les réseaux sociaux, on en dit quoi, Benoît Galeret, avant de débriefer? Ah bah j'espère qu'il l'avait prévenu que ses propos étaient enregistrés. Cette fois, comment servait? Harold parle de bulldozer tentant de dissimuler un accident industriel. Mais non, la meilleure défense, c'est l'attaque. Wauquiez est fidèle à lui-même, estime Geoffroy, et ça plaît aux militants des Républicains. Bravo, soutien, aucune excuse. La vérité, on ne doit pas s'en excuser, lance Sylvie. Il était obligatoire pour Wauquiez d'en remettre une couche et sur le même ton. Un chat est un chat, un lâche est un lâche, un pourri est un pourri, confirme Jean. Tout mon soutien à notre président Laurent Wauquiez contre les haineux, lâche même Darling. Et voilà, faire parler de soi en bien ou en mal, pourvu qu'on soit au centre des conversations. C'était sa démarche et ça m'a payé, c'est son but, soupire Ellie. Je le dis depuis le début, il profite, il rassemble ses troupes autour de lui, les plus radicalisés à droite, il se voit même offrir une tribune par BFM, regrette Raph, il a gagné. Clément, lui, a surtout entendu la défense typique d'un collégien de quatrième. Tout le monde le fait, comme par hasard, ça tombe sur moi. Pour Hugo, enfin, Wauquiez sur BFM, c'est surtout Fillon le retour. Exactement la même ligne de défense, victime d'un acharnement, les médias prêts à tout, copier, coller. Alors, le conseiller en communication, déjà Jean-Luc Manot, vous avez entendu et vu Laurent Wauquiez, la forme, le fond, la photo média, j'assume, vous en pensez quoi? Bah, sur la forme, il est toujours plutôt bon et à l'aise, donc il n'y a pas de différence. Puis on peut imaginer que c'est une émission qu'il a plutôt préparée, parce qu'elle est un peu particulière pour lui. Donc il est dans une stratégie d'attaque sur la forme et d'attaque des médias, et puis il est dans une stratégie où il essaie de combattre ce qui est le reproche qui est le plus cruel contre lui, parce que c'est celui qui s'oppose au plus près à la stratégie qu'il avait mise en place, qui est le double langage, la sincérité, ouais. Oui, l'insincérité, ouais. Le fait que il y aurait deux langages. Le problème, c'est que pour le traiter, ce sera peut-être notre difficulté, c'est on ne sait pas, il nous a avertis, enfin, contre son gré, mais il nous a avertis que ce qu'il disait là, c'était bullshit.
Puisque il a, en préambule, il a expliqué que quand il s'adressait au pays via la télévision, la radio, les médias, c'était en bon français des conneries. Et donc c'est compliqué de commenter quelqu'un qui nous a averti qu'il ne fallait pas tenir compte surtout de ce qu'il disait. Et donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a le débat sur la plainte quand même, qui est l'annonce qu'il fait, en dire un mot. Moi, je suis évidemment, comme beaucoup, je pense ici, mal à l'aise pour commenter depuis des jours des propos qui ont été obtenus par une méthode qui n'est pas une méthode acceptable. Mais bizarrement, on en a débattu hier avec d'autres polémistes et personne n'avait trouvé un à redire. Il y a quand même à dire deux, trois mots là-dessus. Est-ce que je peux... Voilà, je termine. Je trouve ça une méthode pas acceptable. Mais en même temps, quand dans la même intervention, l'homme politique nous dit « Je vous préviens que quoi qu'il arrive... Ce que je dirais en public, c'est bullshit. On est dans une difficulté parce que soit on le commande plus jamais et c'est pas la peine de l'inviter, soit on traite du moment où il est censé dire la vérité. Alors, on va être à ce soir, si vous voulez bien. On va pas refaire le débat sur le côté clandestin des enregistrements. Sur la plainte. Non, mais j'ai bien compris. J'ai vu que vous êtes très habile, Jean-Luc. J'essaye d'être un peu à la hauteur de votre habileté. Alain Duhamel, sur la défense de Laurent Wauquiez, qui pointe grosso modo les journalistes, qui explique que finalement, ils pensent comme les Français, il y a un côté assez populiste parce qu'il y a la défiance des Français contre les journalistes. Je pense comme eux et je le dis tout fort. Enfin, bon, bref. Deux choses. J'ai donc regardé ce qui va de soi juste avant d'entrer dans le studio le premier quart d'heure. Il était très bon. Il était très bon parce qu'il avait choisi une... D'abord, il s'exprimait de façon substantiellement différente de Lyon. Autrement dit, dans un très bon français, très clair, très accessible. Ensuite, parce que c'est lui qui a pris l'offensive tout le temps. Route lui posait des questions tout à fait normales. Mais dans ces cas-là, il lui retournait immédiatement une question. Donc il était absolument à l'offensive. Et son numéro, qui est un numéro, mais son numéro sur « En réalité, il y a deux poids, deux mesures. Les journalistes me cherchent parce que je suis de droite, comme ils ont cherché Fillon parce qu'il était de droite, comme ils ont cherché Sarkozy parce qu'il était de droite. » Bon. Si on est de bonne foi, ça ne tient pas le coup, parce que pendant 5 ans, on a cherché François Hollande, qui n'est pas particulièrement de droite. Non. Bon, mais il n'empêche que c'est efficace, et qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui doivent se dire « Mais oui, ça c'est vrai !» Et puis en le voyant comme ça, bien coiffé, bien peigné, bien élevé, s'exprimant dans un très bon français, disant des choses réfléchies, c'est efficace. Pour moi, ça ne change strictement rien sur le front, je le trouve toujours aussi cynique et insincère, mais sensiblement plus talentueux que quand il s'exprime comme à Lyon. Donc plus efficace. Oui, moi je vois pas le talent. Hein, je vois pas le talent. C'était sa seule ligne de défense possible ce soir. Dans le fond, on pouvait pas s'attendre à autre chose. Bah, si, il pouvait présenter ses excuses, par exemple. C'était une ligne de défense possible. Non. Il l'a. Non. Enfin, on voit pas. Wauquiez, il aurait pas fait. Il aurait pas. Oui, c'est ça. Il aurait pas été lui-même. Il est lui-même devant les étudiants de Lyon. Et il. Alors, il faut quand même. De quoi on va y venir. On a vu quand même quelqu'un. Alors, il se présente en victime. Les médias m'en veulent. Je suis la victime. Et puis la deuxième cible. C'est pas les médias, c'est Macron. Macron a fait bien pire, etc. Donc il essaie de récupérer opération politique au passage, que Root a bien fait d'essayer de démonter. Mais enfin bon, c'est difficile face à Wauquiez. C'est vrai que c'est pas simple. Je reste que quand même, Wauquiez, quoi qu'il en dise et quoi qu'il fasse ce soir, a quand même flingué ses propres amis. Il tire sur sa famille politique. Donc voilà l'homme qu'il est. Quoi qu'il en soit. Et ça, il ne peut pas l'effacer. Alors il dit, non, il y a juste une seule chose que je regrette d'avoir dit, c'est pour Sarkozy. Parce que finalement, je ne sais pas, si je n'ai pas la preuve qu'il ait écouté ses ministres. C'est le seul point sur lequel il s'excuse, parce que Sarkozy est le boss et qu'il a sans doute remis le petit garçon là où il devait être pour cette conduite comme il s'est conduit. Mais ce soir, c'est vrai que je pense qu'il a pu conforter finalement ceux qui avaient besoin de l'être et qu'il était, comme le dit Alain, assez habile et assez fort, en parlant fort, en restant droit dans ses habile et très fort. En restant droit dans ses bottes, mais il faut redire ici que effectivement, il s'est conduit devant les étudiants, il a montré qui il était, c'est pas un simple vernis qui a craqué. C'est parce que les étudiants pensent, c'est ça ton problème. Pardon, c'est que c'est pas du tout ce que les étudiants lyonnais pensent. J'en ai encore écouté un tout à l'heure. C'était pas sur RTL, mais j'en ai sûrement entendu un chez vous. Ils ont trouvé que c'était au contraire très sympa, très décontracté. Non, ça s'est partagé. Non, mais Wauquiez a fait le Jones, il a fait le cacou, comme on dit. Et il a voulu faire le Jones. Ça veut dire quoi, faire le cacou.
coup, c'est une expression qui date non, de... Faire le malin. Faire le malin. Mais alors, ça date... Je le sais pas. Ça date du 18e siècle et ça vient du provençal. Donc, ça veut dire... Origine, c'est le cadet, en fait. Faire le cacou. Tout à fait que mon provençal... Alors, Jean-Claude... Non, mais c'est du vieux français, si vous voulez, mais ça se dit encore aujourd'hui. Donc, vous, ce que vous êtes en train de dire, Jean-Claude, de toute façon, il n'avait rien à jouer, puisque de toute façon, il n'avait rien fait. C'est ça que vous dites, en fait, Jean-Claude. C'est pas ce que je dis. Je dis que sur le fond, on peut lui reprocher et lui faire un certain nombre de reproches. Il se les fait lui-même, sans doute. Il n'en reste pas moins que la façon dont ses propos ont été rapportés est déontologiquement honteux. Je vois bien que les jeunes gens du quotidien prétendent réinventer le journalisme. Ça ne se fait pas. Et vous verrez qu'on regrettera assez rapidement, si ce n'est déjà le cas, les bonnes vieilles méthodes du journalisme traditionnel. Oh, nous avions beaucoup de défauts, nous les avons encore. Mais au moins avec nous, il y avait une déontologie. Mais Jean-Claude, sur ce qu'il a dit. Il y avait des règles. Non, mais écoute, ça va. Il y avait des règles. Il y avait des règles. Quand on disait on enregistre, on enregistre. Oui, il y a des règles aussi courtoisie. On n'enregistre pas, on n'enregistre pas. C'est le minimum que l'on puisse exiger. Oui, mais maintenant c'est fait. On va dire que le mal est fait, Jean-Claude. Le mal est fait. Qui peut le penser ? Oui, mais ce sont les mêmes qui reprochent à Macron de mettre les caméras de côté, les micros de côté. Vous n'avez pas totalement tort. On ne peut pas dire le contraire. Mais bon, maintenant que le mal est fait et les dommages collatéraux sur Wauquiez, est-ce qu'ils le propos qu'il a tenu. Je suis d'accord avec Alain, il a été ce soir excellent, une fois de plus, comme il l'avait été à la télévision. Dans 4 jours, on parlera d'autre chose. Néanmoins, ça laissera évidemment des traces, car sur le fond, il a été très imprudent. Il aurait dû faire attention à ce qu'il disait. Comment a-t-il pu croire que dans une école, dont je rappelle quand même que le président du conseil d'administration est M. Bruno Bonnel, député de la République en marche. J'espère que l'enquête qui va se déclencher va pas démontrer que c'est lui qui a passé commande. C'est quand même... Là, vous y allez un peu fort. En le disant comme ça, vous jetez la suspicion sur M. Bonnel. Il ne faut pas exagérer. Chacun ses méthodes. Chacun ses méthodes. Il n'en reste pas moins que les méthodes qui ont été employées par le jeune homme qui a enregistré... Mais vous dites ce que vous disiez le Wauquiez tout à l'heure. Oui, je dis... Mais attachez-vous au contenu. Raison. Mais non, d'accord, mais ça, on l'a compris, Jean-Claude. La manière dont mais nous sur les propos tenus, arrêtez de faire le procès en sorcellerie des journalistes, Jean-Claude. Ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Wauquiez ce soir, et on en a une preuve là, c'est que si nous n'étions pas vigilants, nous aurions un débat que sur la forme, c'est-à-dire on ferait le procès de la presse. Mais c'est ce qu'il essaie de faire. Et donc, je vais arrêter là-dessus parce que... Ça, c'était le débat d'hier, Moi, je suis je suis fasciné par le bullshit. Donc, je vais essayer de regarder le bullshit. Premier bullshit, c'est... il était complètement étonné parce qu'il y avait une règle de off. Il dit, dans l'intervention, il dit « Je sais, par 20 ans de vie politique, que quand on est plus de deux, c'est répété et c'est reproduit. Oui, » Donc, il ne croyait pas, comme un poulet de l'année, que, ça allait rester secret. Deuxièmement, malgré tout, je comprends qu'on puisse avoir un débat sur la presse. Mais on peut avoir un débat aussi sur quelqu'un qui accuse un ancien président de la République d'espionnage, un autre d'avoir monté un complot, qui dit de la présidente de la région Île-de-France qu'elle est nulle et qu'elle fait que des conneries. Bien sûr, mais ça, ancien premier ministre. Il va assumer ses propos à l'intérieur de sa famille politique. Qu'il a massacré la caisse. Enfin, écoutez, il y a quand même. Il maintient, dit-il sur Juppé ce soir. Il y a aussi quelques réalités. Allez, pas conclure, si vous voulez, parce qu'on va pas. Tout n'est pas faux. Non plus que toute la soirée sur Wauquiez, même si on en a encore à dire. Alors, moi, je voulais dire, d'une part, qu'on peut être très malin, mais qu'on se fait avoir par des enregistrements, puisque ça m'est arrivé. Donc, je suis bien placé pour le dire. Mais à nous tous, bien sûr. Non, ben non, moi, un peu plus, quand même. Bon, Ben oui, j'ai quand même été suspendu pendant une campagne présidentielle. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, mais il faut rappeler aux auditeurs, parce que vous étiez devant des étudiants de Sciences Po, autant que je m'en souvienne. Voilà, vous aviez dit votre préférence pour le vote, en l'occurrence François Bayrou. Aux élections européennes. Et vous avez été suspendu. Exactement, puisque, qu'on enregistrait. Voilà, c'est ça. Parce que je ne savais même pas qu'on filmait, parce que j'étais d'une autre génération. Bon, donc, c'est pas moi qui va faire l'apologie de la méthode. Sur le fond, en dehors de ce qui a été dit et que je partage largement, sur le fond, ce que je trouve révulsant, mais sans en rajouter, c'est qu'il donne à des étudiants, et maintenant à toute la France, une description de ce qu'est le monde politique, de ce qu'est le Parlement, de ce qu'est le fonctionnement de la démocratie, que si on l'écoute... C'est pas démocratie, c'est une dictature. Si on l'écoute, franchement, on va voter pour Marine Le Pen. Eh oui. Et ce qu'il dit d'ailleurs ce soir, mon crime est d'avoir dit la vérité.
Bah, la aurait, vérité selon Wauquiez. Si c'est cette vérité-là, les Français, ça me fait penser au film de Visconti, Les Damnés. Hein. Les Français, le syndrome Guibert, vu les Français, à tort ou à raison, trouvent que dans les débats politiques, maintenant, le domaine est royaume de la langue de bois. On n'a qu'à leur dire que c'est vrai, puis comme ça. Qu'on n'y fait plus tellement attention, et que la parole politique s'est beaucoup dévaluée. Tout ça, ce sont des réalités qu'il a exprimées avec une grande maladresse, qui vont sans doute lui coûter cher. C'est son problème, c'est pas le mien. Je maintiens que l'absence de déontologie dans cette démarche, c'est... Je crois qu'on a compris. C'est quelque chose de très, très grave. Allez, on change de sujet. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel. Et on poursuit en parlant de Jérôme Cahuzac. Donc, c'est quelqu'un qui a peur, qui est abattu. Nous disait tout à l'heure son avocat sur RTL. Donc, vous avez entendu le réquisitoire. 3 ans de prison ferme comme en première instance. Vous en pensez quoi sur les réseaux sociaux? Faut-il faire un exemple de Cahuzac ou pas, finalement? Il a fait sourire cet avocat général, très repris quand il souligne l'ironie terrible de celui qui avait à cœur de laisser sa pierre à l'édifice pour lutter contre la fraude, mais qui laissera comme plus grande contribution son procès. Après, vous savez comment sont les réseaux, on s'échauffe. Dominique voulait plus de prison, une personne qui vole pour manger prend 6 mois ferme. Nom pense au contraire que le type bouffe un peu pour tout le monde, là. Il a certainement pas pu frauder tout seul. Ils le font tous, son seul tort a été de se faire choper, pense aussi Bruno. Non, il doit aller en prison, rétorquera à lui seul. L'épisode Cahuzac aura fait plus pour la montée des extrémismes en France que 20 ans de discours, de manifs et de publications d'ouvrages par leurs tenants, dit-il. Bien sûr que ce fraudeur mérite la prison et plus qu'un autre au vu de ses fonctions. Lors de ses mensonges devant l'Assemblée nationale, rage Francis, en tôle l'escroc revient souvent, mais Jawad ricane. Arrêtez, c'est qu'un réquisitoire, hein. Il va s'en sortir avec une peine aménagée et reprendre sa vie politique dans un an. Ma main a coupé qu'il met même pas un pied en prison, écrit Zitoun. 100 balles qu'il aura que du sursis, lance encore Etriosine. Alors, je l'ai jamais fait encore, mais j'ai les adresses, hein, des petits parieurs. Si jamais Cahuzac va en prison, on peut les retrouver. Alain Duhamel, pour l'instant, c'est que le réquisitoire. Hein, oui. Mais vous trouvez ça sévère? Non, je ne suis pas étonné, puisque la même cour, ayant à traiter un autre cas, celui de Thévenoud, l'ancien secrétaire d'État qui oubliait de payer ses impôts, avait même en appel, comme c'est tout à fait son droit d'ailleurs, alourdi la peine, exactement. Donc je ne peux pas dire du tout que je sois étonné. Bon, moi je n'ai aucun goût pour envoyer les gens en prison, mais ce qui est vrai, c'est que ce qu'il a fait est, pour là encore, pour l'image de la démocratie, pour l'image du monde politique, pour l'idée qu'on se fait de ceux qui nous gouvernent, absolument effrayant. Et que, de même que je disais à l'instant que Wauquiez fait un mal fou à la démocratie, de même Cahuzac a fait un mal fou pour la démocratie, et de ce point de vue, ils sont l'un et l'autre coupables. Jean-Claude ? Non, je crois que la sanction, effectivement, moi je partage le point de vue d'Alain, je ne suis pas obsédé par l'idée de mettre des gens en prison. Là, il va y aller, hein. C'est 3 ans, il va y aller en prison. Pas, ça ne va pas être une peine, c'est pas une réquisitoire. La défense, de Dupond-Moretti, qui est un avocat fameux, célèbre, qui a une réputation, on verra ce que ça donnera, mais en effet, si vous n'adressez pas à M. Cahuzac une sanction exemplaire, qui sans doute une part de prison pour un ministre du budget qui chargé de réprimer la fraude. Enfin, franchement, qui a détruit la notion même de morale au sein du Parti Socialiste, qui a considérablement abîmé le quinquennat de François Hollande. Si ce monsieur, contre lequel je n'ai rien, encore une fois, mais qui a fait preuve d'un cynisme auprès duquel celui de Wauquiez, on est à la maternelle avec Wauquiez par rapport à M. Cahuzac. Alors là, j'y comprends plus rien. Donc je pense, effectivement, qu'en dépit du talent de M. Dupond-Moretti, il risque d'aller en prison. Je mesure la peine de Jean-Claude à l'idée qu'il ait abîmé le quinquennat c'est de faux. François Hollande. C'est faux. Mais, mais je... bon, voilà. J'imagine que ça a été immense peine. Si c'est faux, tu me le dis. Non, mais c'est pas ça. Non, mais j'avais compris. Ça vous avait tellement de peine, Jean-Claude, que ce quinquennat soit abîmé. J'avais compris. Ostensiblement, tu faisais semblant de ne pas comprendre. Mais je me mets une seconde à la place de François Hollande. Bon, voilà. Non, moi, je suis d'accord quasi au mot près avec ce qu'a dit Alain Duhamel. J'ai seulement une chose, c'est que il faut être cohérent. Moi, je défends ici assez souvent que quand il n'y a pas de risque pour la société, il n'y a pas de raison d'aller en prison, que je ne crois pas à la vertu punitive. Deuxièmement, je me méfie du terme d'exemple. Et encore moins rédemptrice. Rédemptrice. Je me méfie toujours du terme exemplaire.
quand il s'agit d'une décision de justice, parce que il n'y a pas de décision exemplaire, il y a des décisions justes, compréhensibles, pas compréhensibles, mais sans doute pas exemplaires. Et je me disais que finalement, dans quelques semaines, voir monsieur Cahuzac faire pendant un an des travaux d'intérêt général, ça pourrait avoir, en symbolique, dans le pays. Il s'était proposé, je vous rappelle. Il s'était proposé pour les faire. Mais peut-être, mais est-ce que ce serait pas plus fort d'avoir cette image-là et cette réalité-là que peut-être la prison. Voilà. Il a dit qu'il avait peur de la prison. Ce qu'on peut comprendre. Hein. Oui, je ne sais plus qui a rétorqué. Justement, la peur de la prison sert normalement à dissuader de commettre des fautes telles qu'il a commises. Lui, c'est très juste aussi. Sa femme avait écopé en première instance. Ouais, parce que tout l'enjeu est là-dessus, justement. C'est ça, ton ex-femme. Son ex-femme de 2 ans de prison. Elle n'a pas fait appel, elle. C'est vrai qu'elle a... Non, parce que c'était aménageable. 2 ans, oui, c'est aménageable. Oui, absolument. Et si l'écope de 3 ans... Et 3, ça ne l'est pas. Exactement. Donc demain, Dupond-Moretti rentre en scène. Si on est condamné à 3, on fait 3. Si on est condamné à 2, on peut avoir un aménagement. Pour l'instant, on a l'impression que c'est un procès en appel pour rien. Sauf si Dupond-Moretti demain réussit effectivement à amender un peu sa peine. Ou sauf si Dupond-Moretti, avec ce gigantesque talent qu'il a, exaspère tellement les magistrats qu'ils alourdissent la peine. Il est possible aussi. Tu veux que le style Dupond-Moretti ne convienne pas à tous les juges, à tous les magistrats. C'est un risque qu'il a pris. Wait and see demain donc pour la défense. Et puis ensuite, il faudra voir quand on aura le jugement. C'est ce que j'allais dire, Alain. Mais vous me précédez. On se connaît suffisamment bien. On est complémentaires. Pour que je termine vos phrases. Voilà. Merci. Dans un instant. Je vais essayer de commencer la prochaine. Le spectre des grandes grèves de 95 pour défendre la SNCF. On en débat dans un instant. On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Fogiel. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fogiel. Alain Duhamel, Jean-Claude Dacier, Jean-Luc Manneau, Annie Lemoine. Donc un clin d'œil de l'histoire. En 95, Alain Juppé, alors Premier ministre, avait dû reculer, vous en souvenez, face à 3 semaines de grève à la SNCF. 23 ans plus tard, c'est son ancien homme de confiance, Édouard Philippe, qui tente de réformer la compagnie ferroviaire et qui se prépare à affronter un mouvement au moins aussi dur qu'à l'époque, selon les informations de RTL. Pour l'instant, seule la CGT appelle à la mobilisation le 22 mars, mais d'autres syndicats devraient la rallier. Je crois. Guillaume Pépi, lui, ne croit pas à une grève des cheminots. Et vous, attention aux secousses. Puis faut-il réformer sur les réseaux sociaux, Benoît ? Bien sûr qu'il y aura grève, comme si la CGT était capable de proposer autre chose, grince déjà Olivier. Quoi que dise Pépi, la CGT, on l'a jamais vu appeler à bosser, confirme Paul. Le monde change, fini les privilèges, épargnez-nous vos caprices, supplie Charlie. Grève d'abord et discussion après, bonjour le niveau, les dindons français vous remercient. On parle de 50 milliards de trous dans la caisse, là, s'énerve Roby. Ouais, étonnant pays que la France, où avant même que les décisions soient prises par le gouvernement, un syndicat lance des grèves, soupire Philly. C'est pour avoir un rapport de force dans les discussions, après c'est trop tard, ça n'existe pas qu'en France, explique Hérault. Eh bien, c'est une vision vraiment passéiste du dialogue, totalement improductive. Pas grave qu'ils continuent comme ça et disparaîtront avec leurs privilèges, rétorque Phil. Arrêtez de parler de privilèges, même des ministres le disent. Mais vous voyez, des familles bourgeoises incitent leurs enfants à devenir cheminots, demande Jack. Les princes qui nous gouvernent ne supportent pas que certains gueux échappent encore à la lamination des acquis sociaux. Et les veaux applaudissent, lance Nicole. Hussard aussi pense que Martinez peut emballer le match. Les Français sont bouillants, dit-il. Grève, dit encore Jules, mais maintenant, il y a le service minimum de Sarko et les autocars de Macron. Pas de blocage du pays comme en 1995. Ligna pourtant lui répond pour finir. Le service minimum, c'est l'obligation de prévenir 48 heures avant. Mais si vous avez quasiment pas de non-grévistes, pas de remplaçants et c'est la paralysie. Jean-Claude Dacier, vous croyez à une mobilisation importante ? Je le crains. Pourquoi ? Pourquoi le craindre ? Parce que je pense que la CGT a besoin de prouver qu'elle est encore capable de mobiliser et de gagner un combat social. La bataille du rail, le statut de la SNCF, le fonctionnement de la SNCF peut lui permettre d'y parvenir. Si elle devait échouer, je pèse mes mots, ça en serait quasiment fini du rôle prépondérant de la CGT dans le paysage syndical. C'est pour ça que je pense que toute analyse faite, la CGT va essayer de mobiliser. Elle n'y est pas parvenue depuis le début du mandat Macron. Y parviendra-t-elle sur quand même ce qui est son fond du fonds de commerce de la CGT? En face, nous avons un Macron qui lui aussi peut politiquement gagner gros s'il fait toucher les épaules à la CGT et réussit. Donc c'est un combat CGT-Macron indépendant. Je ne sais pas ce qu'en pense Alain. Je vais le dire. Peut-être un peu de théâtre. Mais en tout cas, du côté de la CGT, je maintiens qu'elle joue sa survie dans ce conflit.
Alors que la CGT est un enjeu direct, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus qu'on est une année où il va y avoir des élections professionnelles en novembre absolument. À la SNCF. Absolument. Donc évidemment, ça donne un relief supplémentaire. Moi, je crois que la question, ce n'est pas tellement de savoir s'il y aura grève ou pas grève. Je crois qu'il y aura grève. Je crois qu'on ne peut pas, on peut pas imaginer qu'il n'y ait pas grève parce que c'est vraiment la métamorphose de la SNCF qui est en jeu. Donc il y aura grève. La question est de savoir si cette grève sera une grève type 95. Mmh. Et là, bon, c'est toujours dangereux de faire des pronostics en matière sociale. Mais je dirais que la différence, en tout cas, avec 95, c'est un, qu'en 95, l'opinion, ça a été la grande force des grévistes de 95, l'opinion les a absolument soutenus, alors même qu'en plein hiver, pendant 3 semaines, il a fallu marcher des heures et des heures pour aller et revenir de son travail. Et là, cette fois Et là, l'opinion, changé, d'après ce qu'on a, l'opinion est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus partagée. Bon, la deuxième chose, c'est que les cheminots de 2018 ne sont plus tout à fait les cheminots de 1995, c'est-à-dire que le rapport des forces syndicales a évolué dans le sens de la modération, c'est-à-dire que le nombre de ceux qui ne sont pas au statut est plus important qu'avant, et que ceux 10%. Qui sont au statut ne seront pas mis en cause directement oui, par la réforme. Oui, puisque ça sera les prochains. Ça sera absolument. Ça sera uniquement ceux qui seront recrutés absolument. Après. Donc ça, c'est un second changement. Absolument. Puis le troisième changement, c'est qu'en 95, ça n'est pas Alain Juppé qui a cédé. C'est Jacques Chirac qui a demandé à Alain Juppé de céder. Et je ne crois pas que Emmanuel Macron demandera à Édouard Philippe de céder. Mais Jean-Claude, vous leur dites quoi aux cheminots qui seront dans la rue Moi, je ne me permettrai pas de leur dire quoi que ce soit. Simplement, il faut qu'ils prennent conscience que le monde change, le monde a bougé, la concurrence arrive. Toujours pas très bien, d'ailleurs, compris comment marchait la concurrence avec deux voies de chemin de fer. Enfin, bah, si vous m'expliquez... Jean-Claude, en dehors du fait que vous comprenez très rapidement les choses, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne déjà pour les trains dits qu'on appelait de marchandises quand on était jeune, et pour les trains internationaux. Ouais. Donc c'est possible. C'est possible. Alors, le monde a changé, vous pourrez dire ça au secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire qui est en ligne avec nous, Roger Dylan Seger. Vous êtes en ligne, bonsoir. Est-ce que vous allez d'abord vous associer au mouvement de la CGT, vous, à l'UNSA Ferroviaire? Oui, d'abord, dans un premier temps, merci déjà de me donner la parole. Vous êtes le bienvenu, mais est-ce que vous allez vous associer donc au mouvement? Dans un premier temps, moi, je souhaite réagir sur quelques propos sur les privilèges, sur les 50 milliards de dettes, sur les acquis sociaux. Il faut pondérer tout ça et, en fin de compte, déjà, les 50 milliards, c'est pas la dette des cheminots, c'est la dette de l'État. Les privilèges, on est prêt à mesurer tout ça. Et quelque part, derrière, à mon sens, il semble également très important de pas mélanger toutes les organisations syndicales. Et aujourd'hui, l'UNSA Ferroviaire que je représente, on est dans une situation de politique contractuelle et une politique de négociation avec les partenaires sociaux, de quelque bourg qu'ils soient. Mais donc concrètement, le 22 mars, est-ce que vous serez dans la rue? Est-ce que vous êtes mobilisé contre la réforme? Le sujet qui est évoqué, c'est la grève de 95 et un mouvement d'ampleur. Le 22 mars, on part d'une journée de manifestation, d'une journée ciblée, et on n'a à date pas encore évoqué le mot grève. Donc le 22 mars, ce sera un signe fort pour annoncer les poids possibles dans les négociations. Et très certainement, alors j'ai une structure qui se réunit jeudi, donc je n'anticiperai pas notre décision, mais je pense bien qu'il est nécessaire pour les organisations syndicales et les cheminots de montrer que potentiellement, on n'est pas là non plus pour réduire les acquis sociaux ou réduire les conditions de travail. Et pour regarder passer les trains, donc Annie Lemoine. Oui, je crois que c'est l'usager qui devrait se mettre en grève en premier lieu, parce qu'il a bien compris qu'il devait mettre la main à la poche pour réduire le déficit au travers de l'épisode neigeux là, qui a eu lieu. On a vu des choses incroyables se produire en tant que usager à la SNCF, avec des prix des trains qui ont flambé, que les usagers ne comprennent pas pourquoi les prix s'envolent comme ça, au gré des algorithmes mis en place. Mais ça, c'est etc., pas de la etc. faute des cheminots, pour le coup. Non, c'est eux qui font les tarifs. C'est vrai, mais bon, la concurrence arrive. Peut-être a-t-elle baissé les prix. On verra jusqu'à quel point la SNCF pourra rester concurrentielle. Et c'est tout l'objet du rapport Spinetta. Le 26 février, on en saura plus, quand Edouard Philippe donnera sa feuille de route et les contours de la négociation. Bien sûr que les cheminots vont vendre cher leur peau. Mais je vais vous donner un exemple. Dans une agence SNCF près de chez moi qui est en train de fermer, la jeune femme qui est derrière le guichet a le statut de cheminot. Eh bien, ça
probablement on ne le verra plus. Parce que les Français ne comprennent pas cette différence. Il y a un statut qui est effectivement assez extravagant, quand même, du droit commun. Bon. Avec les cheminots. Non, mais je ne dis pas qu'il faut tirer sur les cheminots. Ils vont le garder jusqu'à la retraite, mais acceptent que les nouveaux arrivants la plus grande, à la SNCF Jean-Claude, ne bénéficient plus de ce statut. Avec vous, vous avez par nature une voix plus forte que la mienne. J'arrive jamais à parler quand vous parlez, c'est agaçant. Allez-y. Merci. Non, mais la refonte de la SNCF peut aller jusqu'à la refonte des EPIC. Il y a des EPIC en ce moment qui peuvent devenir des SA capitaux publics. Bon, tout ça va être un grand chantier. Et probablement, et vous avez raison tous les deux, je crois qu'on va voir les gens dans la rue et qu'il va y avoir une grève générale, c'est sûr. Oui, oui, non mais d'un mot, je crois que la question de savoir s'il va y avoir une grève à la SNCF est une question qui fait sourire, parce qu'il y en a pour des motifs bien moins importants que ceux-là, et assez fréquemment. Et on pourrait considérer que quand on est devant un chantier de ce type, que la réaction sociale, que les organisations syndicales donnent leur avis, qu'elles puissent le donner sous forme d'arrêt de travail, est assez attendue et pourrait paraître logique. Ça, c'est le premier point. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas en Grande-Bretagne. Il n'y a pas la même tradition de négociation et de discussion. Et puis il y a eu des grèves au chemin de fer allemand quand on a mis sur pied justement aussi. La Deutsche Bahn, il y a eu des avec des syndicats forts, etc. Donc pour toutes les raisons qui ont été dites, et c'est logique. Et j'ai envie de dire que c'est pas très important. Parce que la question, et je vais aller dans le sens de ce que disait Alain, la seule question c'est de savoir si l'opinion publique se coalise. Et si, comme en 1995, elle fait plus que se coaliser, elle donne procuration aux gens qui étaient en grève de défendre leurs propres intérêts. Et de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement serait bien inspiré de réfléchir, parce que autant je ne crois pas que la défense ad vitam aeternam du statut des cheminots qui n'est pas remis en cause pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Il faut que les gens qui nous écoutent le sachent. Quelqu'un qui a été embauché hier aura le statut jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour les nouveaux qui pourraient rentrer. Je ne pense pas que ça coalisera. En revanche, il y a une question d'aménagement du territoire. Il y a une zone de danger sur l'abandon d'un certain nombre de lignes. Édouard Philippe a déjà reculé aujourd'hui. Sur la possibilité pour des lignes d'irriguer le territoire national. Et c'est une vraie question, surtout si on dit que orientation écologique, on ne peut pas dire à ces gens-là, prenez les voitures et prenez les cars. Pour conclure, Alain, et après on change de sujet. Ça c'est, non pas un cliché, mais enfin un argument qu'on entend très souvent. Malheureusement, il est faux. Il est faux parce que sur les lignes secondaires et locales, l'entretien de la ligne coûte plus cher que l'entretien des routes, mais que les machines, surtout, les motrices, sont des motrices à diesel, et qu'elles sont moins écologiques que les cars. On a même calculé qu'elles consommaient 4 fois plus. Pour imaginer que l'alternative soit... Pour imaginer que l'alternative soit de les changer plutôt que de contraindre les gens à prendre leur automobile. Oui, mais les changer, c'est... Naturellement, c'était un choix politique. Quand vous voyez le porte-parole des Républicains qui, aujourd'hui, s'attaque à Macron en disant « Oui, la France des provinces, là, on sent bien que le sujet va se politiser et que ça va devenir... » Je rappelle quand même qu'en 95, il y avait évidemment la SNCF en grève, il y avait aussi la RATP. Absolument. Et une part non négligeable de la fonction publique. Je sais pas, mais je suis pas sûr qu'on aille vers un front. En plus, de leur donner des idées à l'antenne. Allez, on change de sujet. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fauchiel. Officiellement, elle est retirée de la vie politique. Ce matin sur RTL, Philippe Corbet vous révélait que Marion Maréchal Le Pen prendra jeudi la parole à la grande messe conservatrice du CPAC à Washington. Elle sera la deuxième à s'exprimer le premier jour de la conférence, juste après le vice-président des États-Unis Mike Pence. Un comeback de rockstar au moment où sa tante Marine Le Pen prépare dans la douleur le congrès du FN au mois de mars. Alors Marion Maréchal Le Pen prépare-t-elle son retour? Peut-elle sauver le FN? Les proches de Marine Le Pen disent le contraire. Elle aurait appelé sa tante pour lui dire qu'il ne s'agissait absolument pas d'un retour en politique, mais qu'elle est là-bas aux États-Unis pour lever des fonds pour les écoles dont elle s'occupe. Vous y croyez pas sur les réseaux sociaux, Benoît? Non, sur les réseaux, c'est un retour, clairement. Et Tata ne va pas aimer, écrit Ami. Tonton Vauquier aussi va être jaloux. Ça a quand même plus de gueule qu'une fuite dans une école de commerce à Lyon, estime Tour. Même ceux comme Mathieu, qui assurent qu'ils avaient prédit la chose et à peu près la date, avouent qu'ils n'avaient pas prévu le lieu. Hein. Les States, peut-être qu'elle voulait juste compléter le désolant tableau mondial de la haine politique, suggère Patrick. Non, attention au retour. Marion et Laurent, ça peut faire un mariage et ça peut faire très mal, prédit Lambda. J'ai trouvé Cher qui pense
pense, elle, que non, elle est partie loin, elle n'existe plus, mais qu'Ali voit une grosse claque pour sa tante qui, elle, n'a pas été reçue par Donald Trump. Oui, enfin, regardez le programme, elle parle de 11h35 à 11h45, puis elle déjeune pas non plus avec Trump, c'est pas de l'intervention présidentielle, moque Marie. Et elle s'en fiche, après le naufrage de sa tante qui gère le parti avec difficulté, elle se pose en recours. Et elle, elle travaille sa stature internationale, calcul politique, analyse Alex, elle a pris ses distances, aucune responsabilité dans la défaite, elle va ressortir blanche comme neige, ajoute-t-il. Ça a l'air de ravir beaucoup de militants frontistes, en tout cas, qui la voient compétente et tellement jolie, ajoute Sylvie. Elle vise la prise de pouvoir au FN et elle aura la bénédiction de grand-papa, conclut Posy, car le menhir ne cherche-t-il pas à suicider sa propre fille ? Alain Duhamel, vous croyez au retour de Marion Maréchal Le Pen ? Écoutez-moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle va être reçue en grande pompe, parce que les Américains, surtout à cette occasion-là, chez les conservateurs, font les choses bien. Elle va être reçue en grande pompe, peu de temps après le vice-président en exercice. Et donc, ça signifie que les conservateurs américains considèrent que c'est quelqu'un qui a leur place, qui a sa place au milieu de ce qui est leur plus grande manifestation annuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'ils imaginent volontiers qu'il peut y avoir un rapprochement entre des conservateurs et Marion Maréchal Le Pen. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est pas de la politique française, mais si, c'est de la politique française. Alors, tous les conservateurs américains, vous le savez Alain, je vais pas vous l'apprendre, ne sont pas d'accord. Il y a eu des voix qui se sont élevées, qui ont dit quoi ? Une Le Pen invitée chez nous ? Pourquoi pas monter un parti de droite nazi aussi chez les conservateurs américains ? Si, ça a été dit sur Twitter. Les nazis en ont déjà. Donc tout le monde, elle ne fait pas l'unanimité chez les conservateurs, premier point. Ah, mon cher Jean-Claude, ce soir, j'ai du mal avec vous. Ah non, mais là, il vous contredit. Il a le droit de le faire, quand même, Annie. Je l'aide. Ah, oui. Mais non, mais quand je l'interromps, il se met en colère. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, mon cher Jean-Claude, je ne parle que pour vous. Regardez-moi les yeux dans les yeux, ne parle que pour vous. Sûr. Marion Maréchal Le Pen est en train de soigner son CV. Bien après sûr. 3 voyages en Russie, un petit tour en Italie du Nord avec ses copains de la Ligue là-bas. Elle se prépare probablement, même si elle n'a pas tout à fait pris peut-être la décision elle-même, après tout sait-on jamais. Elle se prépare, elle soigne donc à son CV et elle rentrera triomphante probablement en France. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai rien à ajouter, c'est parfait. En effet, l'addition de ce qu'a dit Alain et de ce que vient de dire notre camarade est totalement marqué au coin du oui, mais du d'accord, bon sens, vous pouvez aller alors à ce moment-là un peu plus loin, parce que si elle revient, elle fait un petit coucou mais à la vie politique française, je suis encore là. Oui, mais une fois qu'elle a dit ça, est-ce qu'elle peut revenir qu'elle revienne tout de suite. Sa tante est encore là, elle s'accroche désespérément à un pouvoir qui la fuit. Je pense que le Front National, avec Marine Le Pen, n'a plus d'avenir. Au fond d'eux-mêmes, les militants le savent. Marine Le Pen a du mal, et c'est normal, à l'accepter. L'avenir, pour un certain nombre de conservateurs, en tout cas, c'est évidemment Marion Maréchal Le Pen. Mais la route est longue encore. La route est longue. Oui, c'est évidemment de la politique, et c'est évidemment fait dans une intention politique. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Elle a pour projet de revenir. Ça ne veut pas dire qu'elle a la date, qu'elle a décidé du timing. Mais d'abord, elle n'a jamais dit qu'elle partait définitivement. Elle a dit qu'elle prenait du recul. Quand un politique dit qu'il prend du recul, en règle générale, c'est plutôt l'idée qu'il réfléchit à revenir. Premier élément. Deuxième élément, elle a une conjoncture où Marine Le Pen est en très grosse difficulté, indiscutablement, et que c'est sans doute une... Enfin, que ce courant politique... Il y en a une qui a une défaite et l'autre qui a un succès. Devra entrer dans une nouvelle phase. Et troisièmement, je le crois aussi, parce que, assez curieusement d'ailleurs... Mais le Marion Maréchal Le Pen, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est une position dans la sphère politique plus à droite qu'en réalité. Elle est entourée par un certain nombre de gens qui sont les penseurs les plus à droite, qui souhaitent son retour. Et en même temps, elle est plus conciliable avec la droite de la droite, c'est-à-dire avec des gens qui soutiennent Wauquiez. Pas Wauquiez, parce que Wauquiez... En économie, elle est libérale. Wauquiez, il ne va pas soutenir quelqu'un qui est là et qui va lui prendre l'espace et qui va lui prendre l'oxygène, naturellement. Mais les gens qui peuvent aujourd'hui, sans soutenir Wauquiez,
je vois pas de raison manifeste pour lequel il ne soutiendrait pas Marion Maréchal Le Pen. Mais donc, c'est un danger, son retour, finalement, c'est un danger pour vous qui est... Ah, demain, elle peut être en concurrence avec lui, sûrement. Plus que Marine Le Pen danger, aujourd'hui. En alliance. Son retour, c'est une perspective, c'est un danger pour Wauquiez, si je peux me permettre d'ajouter mon grain de sel, c'est un danger tout court. En tout cas, son invitation aux États-Unis, elle le doit à une femme, malheureusement, à Sarah Palin. Vous vous souvenez de Sarah Palin, bah, cette ultra-conservatrice, Dick et McCain. C'est elle qui l'a repérée, c'est elle qui l'a invitée. Les Américains, la tendance qui partit trouve assez naturelle de l'accueillir. C'est pas tous les républicains. Que d'ailleurs, son idéologie à elle spécifique, pas l'idéologie du Front National, c'est une idéologie de ce qu'on appelle aux États-Unis Tea Party. Le Tea Party, c'est-à-dire un intégrisme religieux, c'est-à-dire... Oui, mais ce profil très particulier ici, il a un espace. Oui, bah bien sûr. C'est un espace partout. Non, mais je veux dire, des intégrismes... C'est même un espace qui est en train de grandir. Des intégrismes religieux, il y en a dans toutes les religions. Oui, bah, d'accord, mais finalement, à part faire beaucoup de bruit dans la rue au moment de la manif pour tous... Quand un million, ça fait beaucoup. Un million, ça fait beaucoup pour faire du bruit, mais ça fait pas beaucoup pour aller. On nous a expliqué que Fillon était coupable d'avoir fréquenté ces gens-là. Il faudrait savoir si c'était important ou pas. Non, mais je dis pas que c'est pas important. Je demande est-ce que ça pèse politiquement. Je dis pas que c'est important ou pas de fréquenter. C'est ça que je pose. Ça pourrait. Quand vous regardez quelqu'un qui connaît bien l'extrême droite pour parfois l'inspirer, et qui dit quelque chose de très intelligent, comme souvent, qui est Buisson. Buisson, il dit l'avenir de la droite conservatrice, c'est les gens qui étaient dans la rue pour l'enterrement de Johnny et la droite catholique conservatrice. Cette alliance-là, effectivement, elle peut être majoritaire. D'accord. C'est pour ça que quand Wauquiez s'amuse à faire ça devant les étudiants de Lyon, c'est grave, parce que la politique, c'est pas de la merde. Mais formidable, Annie, vous bouclez la boucle, parce que un tweet de Dominique Bussereau, ex-ministre des Transports, qui dit « Puisque Laurent Wauquiez assume ses errements et sa violence verbale, j'en tire les conséquences. J'étais en congé des Républicains ce soir, j'en démissionne définitivement. » Est-ce que c'est ça la suite de Wauquiez, ou alors ça c'est un épiphénomène à l'intérieur? Non, c'est assez logique. C'est assez logique. Que tous ceux qui ne sont pas dans le noyau autour de Wauquiez vont être, perturbés, c'est évident. Oui, mais alors pareil, est-ce qu'ils sont marginaux là-dedans ou alors, C'est peut-être la fracture de la droite ce soir avec un Xavier Bertrand qui sera... Il n'y a pas de puissance magique, mais enfin, il est parti déjà. Il peut revenir, il est sur le terrain, mais il peut revenir, il est blessé. D'ailleurs, il a été attaqué ce soir par Wauquiez. Mais vous parlez beaucoup, Annie, Jean-Luc Manou ne peut pas parler. Non, mais moi... Pardon. Je suis ravi de l'entendre. Non, ce que je crois, c'est qu'évidemment, chacun d'entre eux, on peut dire combien de divisions Bussereau, c'est un peu ma question. Mais enfin, c'est pas la bonne question. Et surtout, quand ils se rassemblent, voilà. Et puis surtout, c'est un terrible assèchement de ce qui soutient Wauquiez, c'est-à-dire quelque chose d'uniforme autour d'un comportement malgré tout. Et la droite gagne quand elle est unie, en l'occurrence, Macron change un peu la donne quand même, vous l'accepterez ? Il me semble l'avoir dit un certain nombre de fois. Allez, on s'arrête là. Merci à tous les quatre. Alain Duhamel, Jean-Claude Dacier, Jean-Luc Manou, Annie Lemoine. Donc je renote que Jean-Claude Dacier dit à Alain Duhamel votre raisonnement d'hier. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, c'est vous, Jacques Pradel. Bonsoir au sommaire. Mais oui, bonsoir Marc-Olivier. Alors au sommaire, eh bien, on revient ce soir avec mes invités sur une affaire véritablement hors norme qui a créé une véritable psychose en 1991 et 1992 dans la ville de Longwy, en Lorraine. Trois meurtres de jeunes femmes dont l'assassin a été finalement identifié grâce à l'enquête menée par les familles des victimes elles-mêmes. Ouais, d'accord. Voilà, alors que la police, elle, pensait avoir affaire à des fugues ou des suicides. Allez, bon, à tout de suite, après le flash de 20h. On raconte tout ça en détail dans un instant. Pour ne pas être trop en retard, je vous coupe la parole, désolé Jacques, à tout de suite. Ne soyons pas en retard.